Victor. Ouais. J'ai retrouvé Simon. Non, sans déconner. Non, je te jure, je l'ai retrouvé. Bah, ramène-le. Simon. Et alors? C'est pas du tout Simon Rio. Bah si. Bah non, c'est Arthur Cios. C'est qui Arthur Cios? Est-ce que tu t'appelles Simon? Non. Comment tu t'appelles? Arthur. Mais il ressemble à quoi, Simon? Bienvenue dans Festoche pour l'amour du Cinoche, avant-dernier Festoche, oui, parce que le Festival de Cannes arrive bientôt à sa fin et on vous parle toujours de l'ambiance du festival ainsi que des films qui s'y trouvent en compagnie de l'équipe de Pardon le Cinéma. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Alexis. Salut Alexis. Salut Victor. Y a pas de petite voiture aujourd'hui? Eh non, je suis très déçu. Hein. Moi aussi, très déçu. Allez, l'event du jour. L'event du jour, c'est que le cinéma, ce n'est pas que Cannes, et il faut quand même en parler, puisque hier, nous avons appris le décès d'un comédien absolument incroyable qui s'appelle Ray Liotta, qui est décédé à l'âge de... Il avait même pas 60 ans, quoi. Il avait 67 ans. 67 ans, c'est terrible. C'est pour ça qu'on en parle, même si c'est pas l'actu de Cannes, c'est parce que c'est quand même une perte assez colossale, quoi. Bah oui, déjà, bon, faut savoir que Ray Liotta, c'est un acteur qui a pas eu forcément la carrière qu'il méritait, mais qui a fait évidemment une poignée de rôles hyper important, et notamment le rôle principal des Affranchis, hein, qui l'a poursuivi toute sa vie. Et puis, c'est un acteur qui était toujours actif, qui continuait d'apparaître dans des films, parfois des grosses productions, parfois des productions un peu plus modestes. Et ça fait vraiment mal au cœur. On espère que là où il aura enfin ses fettuccini à la marinara. Voilà. Et pas des noyaux ketchup. Allez, le film du jour. Le film du jour, c'était la présentation hier en Cannes Première, parce qu'on a rarement parlé de Cannes Première, il faut quand même parler de cette sélection, du nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, le réalisateur de Madre, ou encore de El Reino, donc quand même réalisateur qui était vraiment très attendu sur la croisette, un film avec Denis Ménochet et Marina Foïs, et moi je vais être très honnête tout de suite, j'ai adoré le film. Je trouve ça incroyable, je trouve que Rodrigo Sorogoyen arrive à instaurer un malaise ultra présent, en plus dans cette Espagne où se confrontent à la fois les idéaux égoïstes de tous les personnages, et qui forcément à un moment vont aller au conflit, mais dans une ambiance un peu les chiens de paille, quoi. Il y a vraiment ce délire là qui s'installe. Denis Ménochet est flamboyant. Marina Foïs, pendant la première partie, on se demande où est-ce que ça va aller avec elle. Et il y a quelque chose qui apparaît dans la deuxième qui, moi, me trouble et vraiment me plaît énormément. J'avais jamais été aussi en tension sur une scène de quelqu'un qui transporte des moutons. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis encore en train de digérer le film, donc le niveau d'analyse du bordel est pas gigantesque. Mais pour être honnête avec vous, c'est sûrement un de mes plus gros coups de cœur du Festival de Cannes. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le Sorogoyen aussi. Alors, je suis totalement transparent. Je trouve la deuxième partie un tout petit peu plus faible, mais ça ne nuit pas à la vraie qualité de l'ensemble. C'est un très bon film, très anxiogène, très bien filmé, hein, ça faut le dire aussi. Il y a beaucoup de plans séquences assez impressionnants. Ils sont pas ostentatoires en plus, parce que Sorogoyen n'est pas dans une logique de se la raconter. Il essaye d'aller le plus près possible de son sujet, et c'est plutôt une réussite. Et pour le coup, ça permet aussi de parler du fait que y a des films, des fois, on se demande pourquoi ils sont pas en sélection. Et quand je vois la qualité du Sorogoyen, la qualité de la mise en scène du Sorogoyen, que ça termine en Cannes Première, qui est un peu une sélection annexe pour faire des avant-premières de certains cinéastes qui iraient pas en hors compétition mais qui font Cannes Première, je t'avouerai que Asbestas qui n'est pas en compétition, moi ça me trouble. Ouais, bah écoute, c'est la dure loi de Cannes. Elle est dure cette loi. Et oui. Allez, la hype à venir. La hype à venir, c'est la présentation ce soir en hors compétition, parce que alors il y a plein de choses qui se passent dans la compète encore, parce que la compétition n'est pas finie, se terminera ce soir d'ailleurs, voilà. Mais oh, gros hélicoptère qui passe là. Ah, c'est le Ubercopter. C'est le Ubercopter, ouais. Mais oui, en plus, c'est vraiment le Ubercopter. Tu sais que si tu utilises Uber, tu peux avoir un hélicoptère. C'est la présentation ce soir en hors compétition du nouveau film de Nicolas Bedos, Mascarade, avec François Cluzet, Pierre Niney, Isabelle Adjani ou Marine Vacht. Il avait déjà été présent sur la croisette l'année dernière en hors compétition avec... Enfin, il faisait la clôture d'ailleurs avec son OSS 117, et il était aussi en hors compétition l'année d'avant encore avec La Belle Époque. Abonné du festival en hors compète quand même, hein. Ouais, abonné du festival en hors compétition. Après, moi j'aime bien cette idée que des auteurs reviennent toujours hors compétition, parce que les séances hors compétition ont un truc un peu événementiel, un peu plus que la compète où les films peuvent se retrouver noyés dans le flux, quoi. En tout cas, nous on a très très hâte de le voir et on vous le débriefera demain dans le dernier épisode de Festoche. N'hésitez déjà pas à... Ouais, je sais. Ah merde. Mais alors déjà moi j'ai l'impression de vivre le jour de la marmotte en permanence, vraiment. Hein. Allez, debout les campeurs et haut les cœurs, c'est le jour de la marmotte aujourd'hui. On se retrouve demain, n'hésitez pas à dire que vous êtes triste dans les commentaires, que Festoche s'arrête, parce que oui, à partir de demain on vous laisse et on vous abandonne, mais on fera des trucs, y'a pas de soucis. Des bisous. Ciao. Salut.